Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse aujourd'hui de vous recevoir pour le colloque international de notre université, l'Université Mahmoud El-Matri, organise sur le thème diabète, actualité préventive et thérapeutique à l'occasion du mois du diabète. Le laboratoire Acilia Pola travaille sur 5 axes. C'est dans le cadre du premier axe corps et santé que nous avons lancé un projet de recherche sur le diabète dont le présent colloque est un premier jalon. Je vous remercie tous pour votre présence si nombreuse. Au premier colloque international organisé par notre université. Et je prie le docteur Ben Nasser de bien vouloir prendre la parole. Merci Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, au nom de Monsieur le Ministre de la Santé, je vous souhaite la bienvenue. Ce colloque international sur le diabète avec tout ce qui se rapporte sur ses actualités préventives et thérapeutiques est intéressant à plus d'un titre pour le corps médical et paramédical, pour qu'il soit plus performant et efficace dans la prise en charge des diabétiques et dans la prévention du diabète en général. Forte de ses 20 ans d'expérience, l'UMM dispose aujourd'hui d'un département de recherche et d'innovation et a élaboré une vision stratégique qui trace les grandes orientations pour la formation et pour la recherche scientifique. Chercheurs et médecins rivalisent d'innovation pour améliorer les traitements et simplifier leur gestion par les malades. Beaucoup d'espoir en diabétologie repose sur ces nouveautés thérapeutiques moins contraignantes et plus efficaces. Les expertises de nos conférenciers invités se sont alignées sur cette problématique. Tout en nous exposant leurs travaux de recherche, ils ont pu nous informer des dernières avancées dans le domaine. Mes remerciements les plus chaleureux à l'Université Mahmoud El-Matri qui nous a offert cette opportunité pour participer à l'organisation de cet événement. Je salue toute l'équipe de sein de comité d'organisation auprès de qui nous avons beaucoup appris et je félicite mes camarades, les membres du club Culturama qui ont montré une motivation et un grand dynamisme dans leur contribution à cet événement.